Ça ne valait vraiment pas la peine de faire tant d'efforts, Adagio. J'en ai assez de manger sur le pouce. Je veux un vrai repas. Dans ce monde, l'énergie n'est pas du tout la même qu'à Equestria. C'est tout le pouvoir qu'on pourra jamais acquérir ici. Ah, si seulement on n'avait jamais été banni dans cet affreux endroit. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'adore être ici. Tu es sérieuse? Parce que moi, je trouve que c'est horrible ici. Oh, c'est plutôt toi qui es horrible, Sonata. Ah oui? Eh bien, moi, je trouve que tu es... Je vais vous dire une dernière chose. Ce qui rend les choses encore plus épouvantables, c'est d'être coincé dans ce monde avec vous deux. Vous avez senti ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. C'est la magie d'Equestria. Mais la magie d'Equestria n'existe pas dans ce monde. Maintenant, oui. Et vous savez quoi? Nous allons l'utiliser pour obliger tous les habitants de ce monde pathétique à ne plus adorer que nous. Vous voulez de l'aide? Non, merci. On se débrouille. Oh, d'accord. Sensei Chima! Par ici! Oh, je n'aurais jamais imaginé que toute l'école serait ici. J'ai horreur de me faire des compliments, mais c'est une affiche qu'on ne peut pas rater. Et en plus, elle sent le gâteau. C'est sérieux? J'ai utilisé du glaçage au lieu de gouache. Fluttershy, tu as un petit peu de couleur sur ton... C'est bon, je l'ai enlevé? Pas exactement. Bonjour à tous, chers élèves. Je veux seulement vous dire à tous à quel point je suis heureuse de voir que vous êtes tellement nombreux à participer au tout premier concert du lycée de Canterlot. Ouais ! C'est une occasion exceptionnelle de récolter des fonds pour tous nos projets périscolaires. Et nous en avons beaucoup, alors continuez à travailler sur ces belles affiches. Je pense qu'il s'agira de l'événement le plus passionnant qui ait jamais eu lieu au lycée de Canterlot. Depuis le bal de l'automne.
Je n'arriverai jamais à laisser ça derrière moi. Tu as été terriblement méchante au bal de l'automne. Un vrai démon. Je m'étais transformée en une créature diabolique. Et tu as essayé de transformer tous les élèves en zombies pour te créer une armée. Oh, ne t'inquiète pas, nous sommes là et nous ne pensons plus du tout à ton passé. Pas vrai? Pour être honnête, je dirais même que toute cette histoire a contribué à rapprocher les élèves du lycée de Canterlot. 1, 2, 3. Avant nous étions séparés, mais ça c'est du passé. Ensemble nous allons de l'avant, ce sera sûrement amusant. Oh, oh, oh. Maintenant dans l'école, tout le monde est solidaire. Et nous les Wonder Girls, nous en sommes tellement fiers. À croire que ça se passe quand on joue. Oh, il faut que je trouve de nouveaux accessoires, des choses qui seraient jolies dans une longue queue de cheval. Oh, et peut-être des clips que j'accrocherai à ces adorables oreilles de poney. Je me demande d'ailleurs pourquoi ça se produit. La princesse Twilight a ramené sa couronne à Equestria et normalement, elle a emmené toute sa magie avec elle. Moi, je me moque bien du pourquoi, du comment, du moment que ça rend mon groupe carrément fantastique. Comment ça, ton groupe? Bah oui, c'est moi qui ai eu l'idée de fonder le groupe Rainbooms pour faire partie du concert. En plus, je suis la chanteuse et la guitariste. Je vous ai entendu. Ça commence à sonner plutôt bien, les filles. Oui, on se débrouille pas mal. Rarity est toujours un peu en retard sur le second couplet et Applejack devrait encore un peu travailler son solo de basse. Mais elles seront prêtes à temps pour le spectacle. Je me disais que votre ami du monde extérieur viendrait peut-être. Vu que c'est un événement exceptionnel, vous voyez. Désolée, Flash. Je ne pense pas que Twilight reviendra un jour au lycée de Canterlot. Non, tant pis. Je me suis dit que je pouvais toujours poser la question. Surtout, continuez comme ça, ça rock. Eh bien, lui, on peut dire qu'il a eu un vrai coup de foudre. Oh, désolée. J'oublie toujours que tu étais la petite amie de Flash avant. C'est pas grave. C'est vrai que Flash est un garçon génial, mais j'ai jamais été amoureuse de lui. Je l'utilisais pour être plus populaire. Oh, j'étais vraiment monstrueuse autrefois, n'est-ce pas? Ouais, on peut le dire. Mais la seule chose qui compte, c'est que tu as complètement changé. Merci beaucoup, Applejack, mais je ne suis pas sûre que tout le monde au lycée de Canterlot pense la même chose. Sunset Shimmer, tu es attendu dans le hall d'entrée. Il faut que j'y aille. J'ai accepté de faire visiter l'école à de nouveaux élèves. Je préfère qu'ils apprennent à me connaître telle que je suis maintenant avant qu'ils n'entendent des choses horribles sur ce que j'étais avant. Il nous reste encore quelques minutes avant le déjeuner. Et si on reprenait la chanson, je sais que j'ai du talent. Rainbow Dash, je me demandais si on pourrait pas plutôt jouer la chanson que j'ai écrite. On y viendra en son temps. Oh, d'accord. Bonjour, vous êtes les filles à qui je dois faire visiter? Oui, c'est nous. Le lycée de Canterlot est une école géniale, vous allez adorer. Oh, c'est sûr, nous avons déjà senti qu'il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. Ça, c'est le labo de science. La classe d'informatique est là-bas. Oh, nous jouons un grand concert de l'école ce week-end. Ça va être génial, toute l'école participe, vous savez. Un concert de l'école?
Comme vous êtes nouvelle, je suis sûre que la principale Célestia vous laissera participer si vous voulez. C'est vrai qu'il nous arrive de chanter un peu de temps en temps. Arrête ! Tu sais bien qu'on chante genre tout le temps. C'est comme ça qu'on oblige les gens à faire tout ce qu'on veut. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ce que tu voulais dire, c'est que participer à un concert de l'école serait un moyen génial de rencontrer les autres élèves. Oh oui, c'est sûr ! C'est ça que je voulais dire, ça et rien d'autre. Bien sûr. Et c'est ce que tu aurais dit dès le début si tu n'étais pas aussi pénible. C'est toi qui l'es. Il faut les excuser. Elles sont idiotes. Ils sont beaux, ces colliers. Où les avez-vous? Désolée, mais ces pendentifs sont très importants pour nous. Nous serions désolés s'il leur arrivait quoi que ce soit. Alors, et la visite guidée? J'en sais rien. Je veux dire, ces filles, elles m'ont paru un peu bizarres, toutes les trois. Genre bizarre comme ça? Ou bizarre comme ça? Ou plutôt comme ça? Peut-être qu'on devrait laisser Sunset nous le dire. C'est pas facile, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elles se conduisaient d'une façon bizarre avec moi. Peut-être que quelqu'un leur avait déjà parlé. Parlé de ce que j'ai fait avant. Oh, pas de veine, moi qui voulais faire bonne impression. Oh, non, il ne s'agit sûrement pas de ça. Cette fois, ça y est, les filles. C'est le moment que nous attendions toutes. Le déjeuner. Oh, l'occasion de récupérer notre magie d'Equestria. Oh, d'accord. Nos voix sont juste assez puissantes pour faire en sorte qu'ils désirent quelque chose de tout leur cœur et qu'ils se battent pour l'obtenir. Alors, on va juste refaire ce qu'on fait sans arrêt. Semer le chaos et nous nourrir de leur énergie négative. Tu parles d'un plan, Adagio. Non, cette fois, ce sera extrêmement différent. Il y a de la magie d'Equestria ici. Leur énergie négative nous donnera toute la puissance dont on a besoin pour soumettre ce monde tout entier à notre volonté. Mais on pourra quand même déjeuner après, j'espère. C'est le jour des tacos. Tu vas suivre mes ordres. Ou les miens. Non, les miens. Il paraît que vous avez un projet. Concert qui va décoiffer. Mais pour vos chansons et plus d'effets, on a aussi quelques idées. Pourquoi prétendre être pareil? Tout le monde n'a pas du talent. Il est temps que tu te révèles. Es-tu un perdant? Gagner, ce qu'il faut c'est gagner, chanter pour gagner.
veux dire par bizarre? Ça ne fait aucun doute. Ces trois-là font de la magie noire. Sinon, comment expliquer ce qui s'est passé à la cantine? Ne vous inquiétez pas, les filles. On va avertir la proviseure Celestia. Et ses filles se feront virer en un rien de temps. La dernière chose que souhaite Celestia, c'est que l'événement de l'année soit gâché encore une fois par une folle furieuse. Je voulais pas te vexer. Non, c'est pas grave. De la magie noire? Je trouve ça plutôt difficile à croire. Ces jeunes filles sont venues dans mon bureau tout à l'heure et elles se sont montrées tout à fait charmantes. Peut-être que Sunset Shimmer a simplement envie de découvrir d'autres élèves nuisibles pour qu'on oublie tout ce qu'elle a fait au dernier bal de l'automne. Je comprends pourquoi vous pensez ça, mais... Mais ça n'a aucun rapport. Nous aussi, on a vu ce qui s'est passé tout à l'heure à la cantine. Oui, mais ce n'est pas votre groupe qui est censé participer au concert de l'école? Oui. Peut-être que vous avez simplement peur que les Dazzlings ne vous volent la vedette? Les Dazzlings? Oui, c'est le nom de leur groupe. C'est pour ça qu'elles sont venues dans mon bureau tout à l'heure, pour me dire qu'elles participaient. Elles nous ont même chanté une petite chanson à la proviseure adjointe Luna et à moi. Elles ont chanté? Oui. Et nous pensons qu'organiser une bataille de chant au lieu d'un concert est une excellente idée. Je n'arrive pas à croire qu'elles aient convaincu la proviseure Celestia et la proviseure adjointe Luna. Elles arrivent à convaincre tout le monde. Oh non, pas tout le monde! Pinkie Pie a raison. Nous étions là quand les Dazzlings ont chanté et ça ne nous a rien fait. C'est curieux, c'est un peu comme si on était protégés. Alors, on va les vaincre. Ce ne sera pas la première fois qu'on affrontera la magie noire et qu'on bottera le derrière de ceux qui la pratiquent. Je voulais pas te vexer. Non, c'est pas grave. Je m'habitue. Mais ça, c'était quand Twilight était ici. Nous avons peut-être une sorte de magie, mais elle ne se manifeste que quand on fait de la musique. Et je ne vois pas trop comment on pourrait l'utiliser pour botter le derrière de qui que ce soit. Oh, si seulement on pouvait envoyer un message à Twilight. Elle pourrait peut-être nous dire comment briser le sort que les Dazzlings ont lancé à nos amis. Mais malheureusement, c'est impossible. Le portail est fermé. Et j'ai comme l'impression que, là d'où elle vient, les téléphones portables n'existent pas. Oh, je connais peut-être un moyen d'entrer en contact avec la princesse Twilight. Autrefois, quand j'étais l'élève de la princesse Celestia à Equestria, elle m'a donné ceci. Je l'ai toujours conservé, même après avoir abandonné mes études, comme si tout au fond de moi, je savais que je faisais une erreur et que je voulais conserver un moyen de la réparer. Peut-être que ça fonctionne toujours. Ce n'est qu'un livre, chérie. Comment veux-tu qu'un livre fonctionne? Autrefois, quand j'écrivais quelque chose sur ces pages, ça apparaissait aussi sur les pages d'un livre de la bibliothèque de Celestia. Si je lui envoie un message, elle le transmettra sûrement à la princesse Twilight. Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Écris, vite! Il y avait bien longtemps que je n'avais pas écrit ces mots. Chère princesse Celestia. Excusez-moi, princesse. Où dois-je mettre tous ces livres de la princesse Celestia? Dans la bibliothèque. Troisième porte à gauche. Même celui-là, qui brille et qui vibre? Qu'est-ce que c'est, Twilight? Ça ressemble à un message pour la princesse Celestia de mes amis du lycée de Canterlot. Mais je ne comprends pas, comment est-ce possible? Je n'en ai aucune idée, mais on dirait bien qu'elles ont besoin de mon aide. Si j'en crois la description de Sunset Shimmer, je crois que ces nouvelles élèves pourraient bien être en réalité les sirènes. Oh non, pas les sirènes! En fait, je ne sais pas du tout de qui il s'agit.
Les sirènes étaient trois créatures extrêmement belles et dangereuses qui avaient le pouvoir de charmer les poneys avec leur musique. Mais pour conserver ce pouvoir, elles devaient se nourrir de l'énergie négative des autres et de leur méfiance. Plus elles consommaient d'énergie négative, et plus leur voix devenait puissante, ce qui leur permettait de répandre leur magie noire de plus en plus loin. Je ne sais pas vous, mais moi, cette histoire ne me plaît pas. Le but ultime des sirènes était de diviser et de conquérir le royaume d'Equestria. Mais un certain tourbillon étoile le barbu s'y est opposé. On raconte qu'il a trouvé un moyen de les bannir dans un autre monde. Un monde où, selon lui, leur pouvoir magique se perdrait. Ce monde doit être celui où vivent mes amis du lycée de Canterlot. Mais Tourbillon Étoile a dû les envoyer là-bas il y a longtemps. Pourquoi refont-elles surface maintenant? Je n'en sais rien, mais si mon intuition est juste, si les sirènes sont bien au lycée de Canterlot, le sort qu'elles ont jeté n'est qu'un commencement. Mes amis ont besoin de moi. Il faut que j'aille les retrouver. Désolée de te sortir de ta bulle, Twilight, mais le lien qui existait entre leur monde et Equestria est coupé et il le restera encore pendant très longtemps. Bon, premièrement, si quelqu'un veut faire péter des bulles, pourquoi on ne m'a pas averti? Et deuxièmement, si ce fameux lien est complètement coupé, comment Sunset Shimmer a-t-elle pu envoyer un message à Twilight? Oh, Pinkie Pie, tu es géniale! Ouais, on me le dit souvent. Maintenant, à propos de ces bulles. La distance qui sépare deux points est définie par la racine de la somme des carrés et de la séparation entre les points selon la troisième dimension spatiale. Ce qui veut dire... Bah, elle va juste prendre la magie qui est ici et la mettre là-dedans. Ça va lui permettre d'ouvrir le portail et de se rendre quand elle veut, d'ici à là-bas. De là-bas à ici. D'ici à là-bas, de là-bas à ici. D'ici à là-bas, de là-bas à ici. C'est bon, on a compris l'idée. Maintenant, voyons si ça fonctionne vraiment. J'imagine qu'on ne peut toujours pas venir avec toi, Twilight. Il vaut mieux pas. Ce serait la confusion totale si chacune d'entre vous se retrouvait en double au lycée de Canterlot. Mais moi, je peux venir, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moi-même au lycée de Canterlot. Et tu auras sûrement besoin de ton fidèle assistant. Ouais! Nous reviendrons bientôt. Bonne chance, Twilight. Et n'oublie pas de bien t'habiller. Prêt, Spike? Prêt! Moi, je commence à croire qu'elle ne viendra pas. Twilight! Je suis de retour. Oh, Twilight! Et j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer à propos de ces trois filles. Quel dommage que tu ne sois revenue qu'à cause de cette sale histoire. Nous avons tellement de choses à nous raconter. Pour commencer, un certain guitariste aux cheveux bleus a demandé de tes nouvelles. Flash Sentry a demandé de mes nouvelles? C'est gentil, non? Peut-être que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé dans ton monde à toi. Elle a un titre officiel maintenant. Twilight, la princesse de l'amitié. Waouh, c'est très impressionnant. Alors tu étais vraiment l'élève préférée de la princesse Celestia.
Et elle a même son propre château. Tu as un château? C'est vrai? Ton propre château? Oh, c'est chouette. Et si, quoi de neuf? Je veux dire, en dehors du fait que votre école est devenue la cible des créatures magiques les plus dangereuses d'Equestria. Ouais. En fait, il nous est arrivé d'autres choses plutôt étranges depuis ton départ. C'est pas mal, hein? Et c'est comme ça à chaque fois que nous jouons. Ma couronne est bien revenue à Equestria, mais un peu de sa magie a dû rester ici, au lycée de Canterlot. Et maintenant que nous sommes ensemble, nous pourrons l'utiliser contre les sirènes. Comme nous l'avons utilisé contre Sunset Shimmer lorsqu'elle s'est transformée en cet horrible monstre ailé, vous vous souvenez? Je voulais pas te vexer. Non, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Elles comprendront même pas ce qui leur arrive. Nous n'avons plus aucun souci à nous faire maintenant que Twilight est revenue. Oh, je suis sûre que je trouverai toujours une raison de me faire du souci. Au moins, ce ne seront pas les sirènes. Plus vite nous agirons, mieux ça vaudra. Est-ce que vous savez où se trouvent les Dazzlings? Il y a une grande fête ce soir pour tous les groupes qui participent au spectacle. Et les étincelantes viendront sûrement. On dirait que nous avons une fête à interrompre. Je vais me chercher un truc à boire. Twilight? Cognier, encore, on sait, comme d'habitude, quoi. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? T'es revenu pour le grand concours, c'est ça? Quelque chose dans ce genre. Mais tu sais, en fait, ce ne sera pas un vrai concours. Personne ici n'a autant envie de gagner que mon groupe. Oh. Est-ce que tu peux m'excuser? Juste une minute. Oh non, ils sont de mauvaise humeur. Un peu comme s'il y avait une sorte de tension dans l'air prête à éclater d'une minute à l'autre. C'est à cause du jus de fruits. Je savais que j'avais mis trop de raisins. Non, ce n'est pas le jus de fruits, c'est nous. Mais le jus de fruits est très mauvais aussi. Qu'est-ce que tu connais au jus de fruits, toi? Plus que toi. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et la fête ne fait que commencer, les filles. Imaginez un peu ce que ça va être quand la bataille de chant commencera vraiment. Désolée, mais il n'y aura pas de bataille de chant. Nous ferons tout ce qu'il faut pour ça. En avant, les filles. On passe à l'action. L'amitié, c'est magique! Y avait pas des arcs-en-ciel et des lasers la dernière fois? Je ne comprends plus rien! Nous sommes à nouveau ensemble! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu dois vraiment foncer et lancer ta magie de l'amitié maintenant! Mais j'essaie, Spike! Je pensais que si nous nous dressions ensemble contre les sirènes, nous obtiendrions la magie qu'il nous faut pour les vaincre! C'est ce qui s'est passé la dernière fois! Eh bien voilà ce qui s'appelle lancer un défi! Elles ont vraiment très envie de gagner, et dans ce groupe, ça se voit. Mais elles sont un peu prétentieuses, non? Elles affirment qu'il n'y aura même pas de bataille de champ, comme si elles s'imaginaient que la victoire était déjà à elles. Pas si la grande et puissante Trixie a son mot à dire là-dessus! Laisse tomber, Trixie! C'est notre groupe le meilleur du lycée! Non! Ce sont les chercheuses de talent qui vont gagner! Je crois que nous venons de trouver ce que nous cherchions. Ou disons plutôt, qu'elle nous a trouvé. La magie!
Vous ne comprenez pas. Tous les autres sont déjà victimes de notre sortilège. Tous, sauf ces filles. Elles ont quelque chose de spécial. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. J'aurais dû être capable de créer l'étincelle qui nous aurait permis de rompre le sort. Ça a très bien marché avant. Mais pour me vaincre, tu as tiré ta magie de la couronne que je portais. La magie des sirènes, par contre, vient de leur musique. Tu dois peut-être utiliser une magie du même genre pour pouvoir les vaincre. Ou peut-être pas. Non! Je crois que ton idée est la bonne. C'est vrai? C'est quand vous faites de la musique que vous vous transformez, n'est-ce pas? Ouais, les oreilles, la queue, tout le toutim. Alors peut-être que pour vaincre les sirènes, il faut qu'on leur joue un contre-sortilège musical. Tu veux dire comme une chanson? C'est ça. Et si on veut libérer tous ceux qui sont victimes du sortilège des sirènes, il va falloir que tout le monde l'entende. Le grand concours des groupes! C'est le seul moment où nous sommes sûrs que tout le monde sera en même temps au même endroit. C'est là que le groupe Rainbooms entre en scène. Et bonne nouvelle, ma chère Twilight, tu viens de devenir le nouveau membre des Rainbooms. Alors, quel sera ton instrument? Le triangle? Le sousaphone? Le thérémine? Ça, c'est vraiment magique. Je crois que ça me prendrait un peu trop de temps d'apprendre à jouer de ces instruments. Je vais plutôt chanter. Tu veux, genre, être la soliste? Parce que ça, c'est mon rôle, tu vois, vu que c'est mon groupe et tout ça. C'est notre groupe. Et bien sûr, en tant que soliste, elle sera particulièrement bien placée pour utiliser sa magie et nous sortir de là. D'accord, très bien, pas de problème. Je vais donc utiliser cette occasion pour mettre en valeur mes incroyables talents de guitariste. C'est seulement temporaire et nous ne devons pas gagner la bataille de chant. Seulement jouer notre contre-sortilège pendant le concours. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le répéter, ce contre-sortilège? Ça, c'est le problème. Je n'en connais aucun. Oh. Mais je suis sûre que j'arriverai à en imaginer un. Ça ne fait aucun doute. Pour imaginer un sort, il n'y a pas meilleur que Twilight. D'ailleurs, c'est en créant un qu'elle est devenue princesse Equestria. En réalité, j'ai aidé à en finir un. Et ce n'est pas la seule chose que j'ai eu à faire, Spike. Bah, peu importe. J'y arriverai. Bien. Mais où allez-vous? La dernière fois qu'on est venu ici, on a passé la nuit dans la bibliothèque, Spike et moi. Vous êtes devenus fous ou quoi? Vous êtes nos meilleurs amis maintenant! Soirée pyjama pour tout le monde! Mise à jour! Et c'est parti, mon kiki! Ah! Hé! Hey, mais j'allais justement te battre! Ça, j'en doute. Alors, Twilight, ça marche ce contre-sortilège? Hein? Oui, très bien. Merci de m'avoir prêté ton cahier, Fluttershy. J'adore la chanson que t'as écrite pour les Rainbow. Merci. Oh, j'espère qu'un jour on me laissera une occasion de la jouer. Twilight, je pense parler au nom de toutes en te disant que je ne sais pas ce que nous aurions fait si tu n'étais pas revenue pour nous aider. Oh oui! La pizza est là! Oh, tu veux un morceau de pizza? Non, ça marchera jamais. Salut, Twilight. Tu ne dors pas? Je cherche encore un contre-sortilège. Nous n'avons droit qu'à un seul essai, il faut que ce soit parfait. Nous avons vraiment de la chance que tu sois là. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Je me demande qui va manger toute cette crème fouettée.
Ça doit être agréable d'avoir tout le monde pendu à tes lèvres pour entendre une solution à tous les problèmes. Moi, tout le monde s'attend à ce que j'en cause de nouveau. C'est pas parce que tout le monde attend quelque chose de vous que ça va forcément se produire. Peut-être, mais ça n'empêche personne d'attendre. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, parce que ce qu'on craint le plus au monde, c'est de les décevoir. Mon caillou avait une petite faim. Je n'arrive toujours pas à intégrer le fait qu'elle est de la famille de Pinkie Pie. En fait, moi non plus. Oh, je ferais mieux d'aller dormir. Bonne chance pour le contre-sortilège, même si tu n'en as pas besoin. Ça doit être facile comme tout comparé à tout ce qu'on doit faire quand on est une princesse à Equestria. Sunset Shimmer ? Laisse tomber, c'est sans importance. Non, il faut que j'arrive à créer ce sort. Il le faut. Ça sonnait déjà beaucoup mieux que pendant les 5 dernières répétitions, je trouve. Non. Moi, je sais ce qui va pas avec ce contre-sortilège, c'est évident. Tu as changé ce qui devait être un chœur en 5 minutes de solo de guitare. Quoi ? Moi au moins, je tente de rattraper le coup. Vous n'essayez même pas. Moi, oui. Tout va bien. Tout ira bien, une dernière fois depuis le début. Ouh ! On devrait peut-être faire une petite pause et essayer les nouveaux costumes que je viens de terminer. Je suis particulièrement fière de celui-ci. Mais bien sûr, on peut toujours imaginer quelque chose de plus moderne. Rarity, on essaie de sauver l'école, là. Arrête de parler costume. On ne parle jamais assez des costumes. Elle veut juste qu'on s'amuse un petit peu. Au départ, c'est pour ça qu'on avait formé un groupe, pas vrai? Mais là, vous n'avez plus le temps de vous amuser. Vous êtes censé vous présenter au grand concours des groupes dans 15 minutes. Mais ce n'est pas du tout prêt. Si on joue le contre-sortilège dans le premier tour et que ça ne marche pas, les sirènes sauront ce que nous mijotons et on n'aura plus l'occasion d'essayer une seconde fois. Alors, on va faire en sorte de gagner du temps pour que tu puisses continuer à travailler. Et comment on va faire pour y arriver ? On va vraiment participer au concours des groupes. Je reprends mon rôle de soliste et on reste en vie jusqu'à la finale. Et ensuite, on lancera le contre-sortilège. Tu l'auras bien terminé au moment de la finale, hein? Bien sûr qu'elle aura terminé. Twilight Sparkle peut résoudre n'importe quel problème. Pas vrai, Twilight? Bien sûr. Alors venez, on a un concours des groupes à gagner. Bienvenue à tous au premier grand concours des groupes du lycée de Canterlot. Je pense que je parle au nom de toute l'école en disant que c'est de loin le plus grand événement que nous ayons jamais organisé ici dans cette école. Nous sommes tous très heureux que nos 3 nouvelles élèves nous aient encouragés à organiser un spectacle encore bien plus passionnant. Mais comme il s'agit maintenant d'une compétition, nous ne pourrons choisir qu'un seul vainqueur. Qui remportera le premier prix ? Vous sentez ça, les filles ? On va retrouver notre véritable pouvoir. Avant même que nous nous soyons appropriés la magie la plus puissante de toutes. Mais les Rainbow Moon
quel que soit leur nom, ne sont pas affectés par le sort. Tu peux me dire comment on va faire pour prendre leur magie? Les Rainbooms peuvent devenir nos victimes comme n'importe qui d'autre. Il va juste falloir les pousser dans la mauvaise direction. Et j'ai comme l'intuition que tout le monde ici fera la queue pour nous donner un petit coup de main. Ouais, Snips et Snails, ça déchire, yo. On m'appelle MC Snips et j'adore engouffrer des tartes aux petits ronds et des petits pâtés. Je suis DJ Snazzy Snails, j'aime les baleines, mais quand je vais à la plage, je prends toujours ma pelle. Tout le monde sait que c'est l'orange ma couleur préférée et mes chansons sont tellement bien qu'on voudrait... Les manger, malin. Ouais, ouais. Ça déchire. As-tu compris, as-tu compris le message, mon pote? Maintenant? Que je te raconte maintenant? Bam! C'était trop fort, pas vrai? Oh, ouais, ouais, c'est sûr qu'on assure, on est des vrais rires. Merci de ne pas laisser tomber les micros. Ouais, bam! Rentrez chez vous, les commenciels. Au moins, on connaît un groupe qui ne nous empêchera pas d'être sélectionnés pour la finale. Et maintenant, les filles, ça va rocker! Attendez, où est Rarity? J'arrive! J'arrive! Je suis là! Hors de question de me produire devant un public sans avoir d'abord revêtu une tenue fabuleuse. Oh! Souvenez-vous, il faut qu'on soit suffisamment bonne pour continuer, mais pas assez pour laisser deviner aux sirènes la magie qui est en nous. Elles pourraient comprendre le plan qu'on va utiliser contre elles. Entendu. Juste assez cool pour gagner, mais pas assez cool pour la transformation avec les oreilles, les queues, les arcs-en-ciel et tout ça. Donc, environ 20% moins cool. 1, 2... Rien qu'une journée pour se préparer. On ne sera jamais prête aux attentes, mais un petit miracle est vite arrivé. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'on va s'amuser. Tout le monde est paré et nos amis sont là, ils sont tous arrivés. Remue-toi parce que ce soir on va faire la fête. Remue-toi, remue-toi, remue-toi parce que ce soir on va faire la fête. Remue-toi, remue-toi. Tu as la sensation que ça t'est. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'on va s'amuser. Tout le monde est paré et nos amis sont là, ils sont tous arrivés. Remue-toi parce que ce soir on va faire la fête. Remue-toi, remue-toi, remue-toi parce que ce soir on va faire la fête. Remue-toi, remue-toi, remue-toi. Rarity, tu voulais absolument qu'on soit éliminés, là? Oh, quoi? Mais je n'y suis pour rien, moi! Nous avons été victimes d'un sabotage! Oui, en tout cas, celui qui a fait ça n'aurait jamais réussi si tu n'avais pas insisté pour t'habiller comme... comme ça! Il faut que notre musique soit bonne! Est-ce que l'une d'entre vous l'a pas encore compris, ça? Et qu'est-ce que tu fabriquais avec ces confettis, Pinkie Pie? Comment veux-tu que je joue avec des petits bouts de papier coincés dans mes cordes? Ça nous empêchait un peu de nous concentrer. Ah! Dis la fille qui a passé toute la chanson à fuir la lumière! La lumière!
Mais vous étiez quand même meilleur que la plupart des autres groupes. Je pense que vous allez être sélectionné. Mais ça ne changera rien si tu n'as pas trouvé ce fameux contre-sortilège. Trouvez un endroit pour répéter où les sirènes ne peuvent pas vous entendre. Moi, je garde un œil sur ce qui se passe ici. Je ne crois pas qu'il faut utiliser une salle de classe. Il faut vraiment qu'on arrête de se télescoper comme ça tout le temps. Vous avez entendu quelque chose ? Non, non, rien du tout. J'ai dit, il faut vraiment qu'on arrête... Tiens, ça recommence ! Quel horrible bruit ! Quoi, tu me parles comme ça ? Je croyais qu'on était amis et... Et ensuite, t'as décidé de revenir ici uniquement pour pouvoir me battre au concours des groupes ! Je veux gagner, Twilight, et tu essaies de me prendre ma victoire ! Tu parles d'une amie ? Ce n'est pas pour ça que... Viens, Twilight ! On a des trucs à faire. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir les aider? Ah, je parie que tu sais même pas ce que t'es en train de faire. Déjà des larmes. Et elles n'ont encore passé que le premier tour. Le prochain groupe à monter sur scène sera Trixie et les Illusions. Allons nous préparer. On est censé passer juste après Trixie. Vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que tu as échoué ? Oh, nous savons tout de toi, Sunset Shimmer. Tu as une solide réputation au lycée de Canterlot. J'ai changé, je suis quelqu'un de très différent maintenant. Mais tu attends en coulisses pendant que tes amis s'amusent comme des folles. Oh, mais c'est vrai que vous êtes tellement proches. Et pourtant, elles ne t'ont pas demandé de faire partie du groupe. Elles avaient probablement peur que personne ne veuille les écouter si elles en faisaient partie. Dommage! Trop triste! Mais si ça peut te consoler, plus personne ne se souviendra de toi quand nous en aurons terminé. Souvenez-vous, les filles, nous voulons garder le meilleur pour le moment où nous aurons retrouvé tous nos pouvoirs. Nous y sommes, le dernier tour, et puis c'est la finale. À moins que ton contre-sortilège ne soit prêt à être joué tout de suite. T'inquiète pas, Twilight, la finale n'a lieu que ce soir. On pourra encore répéter un peu avant de devoir monter sur scène. On ne te laissera pas tomber. Ouais, on est là. Oui, vous ne me laisserez pas tomber. Je voulais juste vous dire, nous n'avons pas encore essayé la chanson que j'ai écrite et... Ce sont les demi-finales, on doit jouer, je sais que j'ai du talent. Je me demande pourquoi j'ai posé la question. T'as compris, je fais ce que je veux. Je suis fascinante, grande et éblouissante.
C'est fantastique! Oh, vous n'arriverez jamais à faire mieux que nous, les Rainbooms. D'ailleurs, on ne devrait même pas vous laisser monter sur la scène vu l'avantage que vous avez sur les autres. Tu parles de mon exceptionnel talent de guitariste et de ma voix plus pure que le cristal? Arrête de dire des bêtises, c'est d'elle que je parle. Si tu avais vraiment tous ces talents, Rainbow Dash, tu n'aurais pas eu besoin d'appeler une espèce de magicienne pour donner à ton groupe une petite chance. On ne parle plus que de ça au lycée. Ha! Oh, pitié! Je pourrais gagner ce concours toute seule sur scène, et tout le monde le sait! Mais oui, c'est ça! Elle a disparu! Ah non! Elle est là! Le prochain groupe, les Rainbooms! Mettez le feu, les booms en ciel! Je suis avec vous! Juste pour regarder. C'est la super méchante qu'on aime détester. Je savais qu'elle allait nous causer des ennuis. Ah, la vraie Sunset Shimmer est de retour. Non, je ne suis pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous alliez montrer votre magie, je savais pas quoi faire d'autre. Ah, fermer les rideaux, débrancher les amplis, nous donner une chance de gérer la situation. Désolée, j'ai juste voulu vous aider. Ben, tu as raté ton coup! Rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'avais pas voulu jouer les vedettes, comme d'habitude! Beau travail, les Rainbooms! J'ai particulièrement aimé le moment où Sunset Shimmer, dans un accès de jalousie, a complètement gâché le solo de guitare de cette pauvre Rainbow Dash! Ce n'était pas du tout un accès de jalousie! Bon, si tu le dis... Oh! On dirait qu'elles ont déjà décidé qui affrontera les Dazzlings lors de la finale. J'imagine que ça n'a pas été une décision difficile à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la dernière occasion que nous aurons de jouer devant tout le monde. Et en plus, j'avais prévu une tenue ravissante pour la finale. Oui, c'est justement ça, la vraie tragédie, Rarity. Tu ne penses qu'au chiffon que tu vas porter. Tu sais parfaitement que ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous ne voulez pas vous taire un peu? On va bientôt donner le nom des finalistes. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu sais très bien que ce ne sera pas nous. Le groupe qui affrontera les Dazzling lors de la finale ce soir... Les Rainbooms. Quoi? Elle vient de dire les booms en ciel? Non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Félicitations, les filles. Vous l'avez bien mérité. Vous êtes sérieuses, là? On n'a même pas fini notre... On se revoit au spectacle de ce soir, les Rainbooms. Franchement, je peux vous dire qu'on se réjouit d'avance. Ah ouais, ben pas autant que nous. Vous n'auriez jamais dû être sélectionnés, les Rainbooms. Entendez ! Tu as parfaitement raison, les Rainbooms ne méritent pas d'être en finale. Ton groupe a été 1000 fois meilleur pendant la dernière manche. Et vous étiez bien plus motivés. Hélas, c'est comme ça et pas autrement. Les Dazzlings contre les Rainbooms. À moins bien sûr que les Rainbooms ne puissent pas se produire ce soir ou qu'elles renoncent à participer. Test 1
marche, ça marche. Ça marche. Ça marche. Toute cette histoire n'a aucun sens. Nous avons été horribles. Est-ce que je suis la seule à penser que c'est vraiment bizarre qu'on nous ait sélectionnés pour la finale? C'est très bizarre. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Trixie? Je te signale que les perdants sont censés être là-bas parmi les spectateurs. La grande et puissante Trixie est de loin la musicienne la plus talentueuse du lycée de Canterlot. Je suis la seule à mériter une place en finale et je ne vous laisserai pas me la voler. À plus jamais, les filles. Je vous avais bien dit que quelqu'un nous donnerait un coup de main. Elle n'a pas donné de coup. Elle a poussé un levier. Retourne dormir ce matin, tu peux. T'en crois pas tes yeux, t'as compris, je fais ce que je veux. Je suis captivante, grande et éblouissante. Yeah, yeah, yeah. T'en crois pas tes yeux, t'as compris, je fais ce que je veux. Je suis fascinante, grande et éblouissante. Laisse tomber, Rainbow Dash. Ça fait des heures que tu essaies. On ne sortira pas d'ici. Peut-être que ce n'est pas si grave si nous sommes coincés ici. De toute façon, je ne crois pas que mon contre-sortilège aurait marché. Bien sûr qu'il aurait marché, Twilight. À condition qu'une certaine guitariste n'essaie pas de voler la vedette à tout le monde pendant qu'on le chante. Hé hey, si tu veux dire à Twilight qu'elle est un peu lourde quand elle essaye de devenir la nouvelle vedette du groupe, tu n'as pas besoin de faire des allusions subtiles. Mais c'est de toi qu'elle parlait, de toi, Rainbow Dash. De moi? Moi, je veux juste être sûre que mon groupe rock aussi bien qu'il le mérite, c'est tout. Notre groupe! Mais pourquoi ça ne fonctionnait pas? Je devrais savoir ce qu'il faut faire, comment ça se fait, je ne le sais pas. Comment ai-je pu échouer comme ça? C'était peut-être ton idée de fonder un groupe, mais c'est pas seulement ton groupe, Rainbow Dash. C'est moi qui écris toutes les chansons! Moi aussi, j'en écris, mais tu ne nous laisses jamais les jouer. J'avais imaginé des tenues parfaites pour chacune d'entre nous. Elle recommence avec ses costumes. On se fiche pas mal de ce qu'on porte sur scène. Moi, je ne m'en fiche pas du tout. Mais excuse-moi d'essayer d'apporter une contribution créative au groupe. Hé hey, vous vous souvenez qu'on fait ça pour s'amuser? S'amuser, vous connaissez? C'est un mot qui veut dire exactement le contraire de conventionnel. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais demandé de faire partie du groupe. Et moi, je n'aurais jamais accepté d'en faire partie. Moi non plus. Mais j'aurais pas des yeux, t'as compris, je fais ce que je veux. Je suis fascinante, grande et éblouissante. Essayez de faire mieux. Oh, c'est affreux. On va vraiment avoir du mal. Depuis le début, vous ne comprenez pas, elles veulent voler toute la magie qui est en vous. Mais comment pourraient-elles voler notre magie? C'est la magie de l'amitié. Depuis que vous avez fondé ce groupe, votre amitié n'a pas cessé de se dégrader. J'ai rien dit parce que je sentais que ce n'était pas mon rôle. Et puis l'amitié, c'est une chose tellement nouvelle pour moi. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai compris que si on ne résout pas les plus petits problèmes au moment où ils se posent, la magie de l'amitié peut se transformer en quelque chose d'autre.
Je n'arrive pas à croire que toutes ces tensions se sont mises en place sous mes yeux et que je n'ai rien vu. Après tout, c'est moi qui suis censée avoir les réponses. Et je ne vous ai pas aidé une seule fois depuis mon arrivée. Je crois que personne n'est censé avoir toutes les réponses, Twilight. Mais tu peux compter sur tes amis pour t'aider à les trouver. Oui, et je crois que c'est déjà le cas. Venez, il faut qu'on sorte d'ici. Spike! Désolée d'avoir mis tout ce temps. J'ai dû trouver quelqu'un qui n'était pas sous l'influence des sirènes pour m'aider. Pourquoi n'est-elle pas sous leur influence? Elle n'enlève jamais son casque. Venez, les filles, c'est le moment de prouver que notre magie de l'amitié est toujours bien à nous. Et il n'y a qu'une seule façon de le faire. On va reformer le groupe, c'est ça, c'est ça? On va reformer notre groupe, Pinkie Pie. Oui! Alors, quelle version du contre-sortilège allons-nous jouer? Je pense que la chanson n'a aucune importance, du moment que nous la jouons ensemble, comme des amis. Je sais ce qu'on va chanter! Fluttershy a écrit une chanson trop géniale. On est sur le point de sauver le monde, là. Personnellement, je crois qu'on doit le faire avec classe. Rarity, je croyais que tu n'y viendrais jamais. Chanter plus fort qu'elle, d'ici! Envie que ça devienne une véritable bataille de chant, elles l'auront voulu. On va vous montrer nos capacités. On veut plus que tout vous écraser jusqu'au bout.
Essayez donc de m'affronter. Essayez donc d'éteindre cette flamme en moi. Mes amis sont là pour m'épauler. Nulle jalousie ne nous séparera. Nous sommes là pour chanter, unis et engagés. La musique est une bombe toute prête à exploser. Cherchez pas la bagarre, l'amitié est un phare nous guidant vers l'espoir. La musique pour ce chemin, marchons ensemble, marche dans la main. Musique en tête, nos cœurs en fête, on n'a plus peur de rien. Car ensemble tout nous sourit, car ensemble tout est permis. Tant que l'amitié, notre amitié survit, survit. La musique pour ce chemin, marchons ensemble main dans la main. Musique en tête, nos cœurs en fête, on n'a plus peur de rien. Car ensemble tout nous sourit, car ensemble tout est permis. Tant que l'amitié, notre amitié survit, survit, pourquoi elle tenait tant à ses pendentifs. Sans eux et sans la magie que tu as apportée du royaume d'Equestria, elles ne sont plus que trois filles inoffensives. Vive les reines Booms! Vous avez été géniales! Vous avez peut-être vaincu les Dazzlings, mais vous n'aurez jamais l'incroyable, le stupéfiant, l'inégalable talent de la grande et puissante Trixie! Elle a disparu. Oh. Oh non, elle est là. Trixie va bien. Vous savez, Twilight va bientôt rentrer à Equestria. Les Booms en ciel auraient bien besoin de quelqu'un pour aider Fluttershy dans les cœurs. Je joue aussi de la guitare. On va bien voir. J'aimerais que tu restes plus longtemps. Moi aussi. Mais j'ai des responsabilités à Equestria et je dois rentrer pour les assumer. Ses habitants ont besoin de moi. Mais maintenant, je pourrai franchir le portail dès que j'en aurai envie. Ce n'est pas un adieu, juste un au revoir, jusqu'à la prochaine fois. Tu es prêt ? Je suis prêt. Chère princesse Twilight, tu me manques déjà et j'espère que tu reviendras vite. Les choses commencent vraiment à s'arranger pour moi au lycée de Canterlot. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre au sujet de l'amitié. J'espère que ça ne te dérange pas si je t'écris quand j'ai besoin de conseils. Ton ami, Sunset Shimmer. Tu es prête, oui ou non? Prête! 1, 2, 3, 4! Quand je t'ai rencontré, tu m'as souri et toute ma vie s'est éclairée. Quand j'étais déprimée, tu m'as aidé et toute ma vie s'est colorée. Comme un arc-en-ciel, un arc-en-ciel. Quand tous mes amis sont là, je suis heureuse, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Quand
Ça ne fait aucun doute, Spike. Il se passe définitivement quelque chose d'étrange dans cette école.